Good morgen, Alei Denetus, aujourd'hui, les Foat et Raphaël Dov, Ben Yehudit, ainsi que les Elunishma, Dava, Machain Robert, Ben Fortune, Mazalit, Dobet Esther, Yaakov Nissim, Ben Chana, Machlouf Micha, Ben Masouda et Jamil Tarab, Lebet Mesalton. Si vous souhaitez aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Ketut, Perek Vav. Hamevi, Hacham, Taloui, Venodalo, Shalochata. Im Ad Shalonishrat, Yitze Veirre, Baeder, Divri Rabbi Meir. חכמים אומרים, יראה עד שיסתאב, ואם אחר ויפלו דמיו לנדבה. רבי אליעזר אומר, יקרב, שימנו בעל חטא זה, הרי הוא בעל חטא אחר. פעם, לאחרונה, אמרתי למשנה. סוויט דו למשנה. אם משנשחט נודע לו, אדם ישפך והבשר יצא לבית השריפה, תחוזם פרטי למשנה. נזרק אדם, הבשר יאכל. רבי יוסי אומר, אפילו אדם בכוס יזרק והבשר יאכל. הוא קוטינא פרליד דונות משנה, סתפסי, דו קורבן אשם תלוי, כמו נג'ה בוקו, תחטא. Non, c'est deux derniers prakim, je crois. Hacham Taloui, c'est un korban Hacham qu'on apporte parce qu'on a un doute et qu'on a fait une faute. Or, il y a une question essentielle à poser. C'est-à-dire, on va illustrer ça concrètement. J'avais deux morceaux de viande au frigo, un morceau de graisse interdite, un morceau de graisse permise. J'en ai pris une des deux, j'ai fait un sandwich, l'autre, je l'ai jeté. Et je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai pas mangé. La Torah m'a dit, écoute, puisqu'il est possible que tu aies transgressé un interdit, grave, sur lequel on est passé d'un karet. Et Béchogeg, donc c'est vrai que tu étais par l'inadvertance, tu as quand même besoin d'apporter une capara parce que, chas v'shalom, si j'ai transgressé, eh bien, je vais en prendre plein dans la tête. Quand on fait des averotes, Hachem, il n'est pas content de nous et on reçoit des. Même si on était Béchogeg. De ce fait, la Torah, elle m'a dit écoute, te demander d'apporter un korban khatat, tu peux pas, parce que tu sais pas ce que tu as transgressé. Dans le doute, apporte un korban Hacham Taloui, un korban Hacham, une expiation qui. Taloui qui suspend, elle va suspendre les épreuves qu'on devait endurer parce qu'on a transgressé la volonté d'Hachem. D'accord? C'est le principe du Korban Hachem Taloui. D'où la question essentielle. Si j'ai désigné un Korban Hachem Taloui, et puis finalement j'ai réalisé que je n'avais pas transgressé, bah au Hachem, j'avais les deux bouts de viande, j'en ai jeté un, et puis quand j'avais déjà désigné mon Korban Hacham, ou quand je suis déjà arrivé au Bat Hamikdash, il y a mon fils qui m'appelle et qui me dit « Papa, j'ai vu le sac de poubelle dans la benne à ordures, je l'ai sorti et je me suis mis à fouiner. Et j'ai découvert qu'en fait, non, le chélève, il était à la poubelle. La graisse interdite, elle était à la poubelle, donc tu as mangé la bonne graisse. Baruch Hashem. Baruch Hashem, très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec ce corban maintenant? J'ai pris un animal que je devais apporter parce que je devais expier une situation de faute. Finalement, c'est vrai que j'avais pas besoin d'expier, donc finalement, je l'ai sanctifié un peu pour rien. Trois avis. Rabbi Meir, Chachamim et Rabbi Eliezer. Je les explique d'abord à l'oral très simplement. Et après, on explique un petit peu mieux les raisons de chacun, et puis après, on lit ça, on traduit tout ça dans les mots. Mais en Tachem, c'est la première partie de la Mishnah. Selon Rabbi Meir, bah écoute, t'étais dans une illusion, ça se volatilise, l'animal redevient un monsieur tout le monde. D'accord? Donc, et tu en tout feras ce que tu veux. Tu croyais qu'il fallait le sanctifier, tu l'as sanctifié, tu pensais que tu avais besoin d'expier une situation de doute, finalement, il n'y avait plus besoin, et bien il n'y a plus de corban. Rami, eux, pensent différemment, ils disent non, 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 au moment où tu l'as sanctifié, maintenant, elle explique. Libo Nokfo, il a un stress à l'intérieur de lui, dès que j'ai transgressé. Et au moment où il le sanctifie totalement. Même s'il n'a pas fauté. Telle est l'intention d'un homme qui va porter un corban parce qu'il a peur de recevoir des épreuves et qui va faire un. Il va vouloir le sanctifier, il va le sanctifier coûte que coûte. Même si au final, il s'avère qu'il est ricain. D'accord? Il le fait avec un dat shalem, pleinement, avec conscience pleine de le sanctifier. Or, tu l'as sanctifié pleinement. T'as voulu que ce soit un korban Hacham Taloui, mais ce ne sera plus un korban Hacham, parce qu'il n'y a plus lieu d'être. Alors qu'est-ce qui sera? Ce sera un korban qui a été tombé entre deux chaises. Un korban Hacham qui n'a plus lieu d'être. Alors qu'est-ce qu'on fera? Tu le laisseras paître avec le troupeau, jusqu'à ce qu'il va avoir un défaut. Lorsqu'il y a un défaut, tu prends sa gdoucha, tu la transfères sur l'argent, avec l'argent tu vas t'acheter des korban olot, nedava, en cadeau pour le misbéar. Et comme ça, la Gdoucha, elle est montée sur le Mizbéar, mais pas en guise de Hacham, mais en guise d'autre chose. Et Rabbi Eliezer, c'est un autre avis. D'abord, on traduit Rabbi Meir et Chachamim. Après, je vous explique Rabbi Eliezer, c'est encore un peu différent. Avedi Hacham Taloui, celui qui apporte un korban Hacham Taloui, un korban Hacham qu'on apporte dans le doute, pour suspendre au cas où. Venodalo Shalochata, et il a pris conscience qu'il n'a pas fauté. Maintenant, ça, c'est le titre général de la Mishnah, et à ce sens, trois situations. Qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas encore égorgé, à l'opposé, qu'est-ce qui se passe si on a égorgé, on a fini d'asperger le sang? Imaginez le Cohen, il était sur le point de manger un bout, on lui dit « Ah! J'ai pas transgressé !»
Est-ce que le Cohen, il pourra continuer à manger ou bien on va dire non, bah non, c'était du bluff. Ça sera la troisième partie de la Mishnah. Il y a un cas intermédiaire, c'est le cas où on a commencé à égorger, mais on n'a pas encore aspergé le sang. Qu'est-ce qu'on fera? Il y aura trois situations. Première situation tout d'abord, Imad Shalon Ishratzi, on ne l'a pas encore égorgé le korban. Donc il s'avère que tu pensais apporter un korban et tu n'avais pas besoin d'apporter. Eh bien, Yetsevir Eba Eder, il pourra sortir peut-être avec tous les autres troupeaux. Ce mouton-là, il n'aura plus lieu d'être. C'est plus un korban, c'était du bluff. On était dans une illusion. Et il s'avère que l'illusion, elle s'est dilapidée. Il n'y a plus lieu d'être. Donc, l'animal redevient un vrai animal normal. Divrei Rabbi Meir. Telle est la vie de Rabbi Meir. La Chachamim Omrim, Chachamim pense que non. Irei Hatshe Istaev, il devra le laisser paître. Jusqu'à qu'il va avoir un défaut. Et ensuite, Veimacher, et on le vendra. Veiploudama Vlindava, et on apportera avec sa valeur des cadeaux, des holot pour le Misbeach en Edava, en don. C'était une caisse qu'il y avait pour le Bet Hamikdash. Il y avait toujours des corbanotes qui étaient en train de se griller au Bet Hamikdash, même s'il n'y avait personne qui les apportait, c'est une caisse publique, et bien l'argent, elle ira là-bas. Ok, ça c'est les deux avis. Pourquoi le Bartonor nous dit, les mitor chez le Bonokfo, Bishata Afrasha, ou Mitiare Misfekachet, puisqu'il a son cœur qui le stimule, qui le stresse au moment où il va le sanctifier, et il a peur que peut-être qu'à cause de la faute. Il craint la faute, l'éventuelle faute qu'il a fait, que ça va lui apporter des épreuves, eh bien, ou Magdishle, il le sanctifie, va le picher l'extérieur. Mais ça n'en aura pas besoin. Ok? Rabbi Eliezer, Omer, Rabbi Eliezer pense différemment. Non, il crave, aucun problème. Apportons en Corban, Chata, en Corban, Hacham Talouy. Mais quoi, j'ai pas transgressé? Chez Imeno Baal Chetze, parce que s'il ne vient pas pour cette faute-là, eh bien, Arehuba al Chet Acher. Eh bien, il ira pour une autre faute. Il pense, Rabbi Eliezer, que la Gemara l'explique plus longuement, ils n'ont pas tellement expliqué ici dans le Mefarshim. Rabbi Eliezer, il pense que Korban Hashem Taloui, tu peux l'apporter même si tu ne sais pas ce que tu as fauté. Imaginez, j'ai fini maintenant Shabbat aujourd'hui. C'est sûr que je n'ai pas transgressé, normalement, quoi. Je me souviens, chaque heure de Shabbat, qu'est-ce que j'ai pu faire? Soit j'ai été à table, j'ai rien fait de grave, j'ai même pas trié, j'ai pas essoré, j'ai pas. Malgré tout, je me dis, on ne sait jamais, peut-être que j'ai transgressé quelque chose, peut-être que j'ai transgressé Shabbat, allez savoir comment, je n'ai pas fait attention. Selon Rabbi Eliezer, j'ai le droit d'apporter un korban Hashem Taloui. Ramim ne pense pas comme ça. D'après Ramim, il faut avoir un vrai doute. Savoir que tu as fait quelque chose, mais tu ne sais pas quel a été l'aboutissement de la chose que tu as fait. Mais si tu as, dans le vent, peut-être que tu as fait, on ne doit pas apporter un korban Hashem Taloui d'après Ramim. Rabbi Eliezer pense que tu pourras l'apporter un korban Hashem Taloui. De ce fait, bon, tu croyais que tu avais mangé une graisse interdite. Ok, tu l'as pas mangé. Allez savoir si depuis que je suis né, j'ai pas mangé une graisse interdite, depuis que j'ai eu 13 ans, et que de toute façon je vais apporter un corban. Alors c'est l'occasion, je l'apporte pour. Allez savoir si j'ai pas transgressé Shabbat, allez savoir si j'ai pas transgressé Kippour, allez. D'accord? Ça c'est la vie de Rabbi Eliezer. C'est une autre approche au corban Hacham Talouy. C'est pas qu'on apporte un corban Hacham parce qu'on a un doute concret, mais c'est n'importe quel éventuel doute qu'on pourra avoir suffit pour qu'on puisse décider d'apporter un corban Hacham Talouy. Fin de la première situation où on n'a pas encore égorgé le korban. Deuxième situation, c'est qu'on a fait la shrita, mais on n'a pas fini de faire le korban. Or, l'expiation d'un korban vient lorsqu'on asperge le sang. Donc en fait, là, on a un grave problème. On a égorgé le korban Hacham Talouy, en pensant qu'on devait se faire expier une chose, on a déjà fait la shrita, on n'a pas encore fini l'expiation, et puis pitom, soudainement, on réalise que j'ai pas besoin d'apporter le korban. Alors quoi? Ben écoutez, tout s'arrête en plein milieu. Qu'est-ce qu'on fera? Imi Shenishrat Nodalo, si depuis le moment où on a fait la Shrita, il a pris conscience, il a su qu'il n'a pas fauté. Adam Ishafer faudra verser le sang dans la Hama. Il y avait un petit ruisseau qui passait dans la Hazara du Bet HaMikdash, où là-bas, tous les korbanot qui étaient ratés, ont versé là-bas, et puis ça partait à la mer, et voilà. Quoi. Ok, Adam Ishafer, à la mer, ou je ne sais pas où, en tout cas, ça sortait de la Hazara. Donc il faudra verser le sang, Babassar Yetzel et Bet Asrefa, et la viande, il faudra aller la brûler au Bet Asrefa, un endroit où on brûle tous les corbanotes qui ont été ratés. Même si concrètement, il s'avère qu'en réalité, ce corban, il était Khoulin, il n'était pas Kadosh. Donc si c'est des Khoulin chez Nishratou, Bazara, il s'avère que ça vient d'un corban Khoulin profane. C'est-à-dire, tu croyais que c'était un corban, tu l'as égorgé, finalement tu réalises que tu n'as pas besoin de la porter. Alors il s'avère que maintenant, il devient un corban profane, d'après Rabbi Meir, du moins.
Chachamim, c'est plus clair. Mais même d'après Rabbi Meir pense aussi ça. Il devient un corban profane, c'est vrai, mais malgré tout, il faudra. Et un corban profane, lorsque tu égorges un animal profane dans la Hazara, en théorie, on n'a pas besoin de le brûler. Mais celui-là, puisque tu l'as fait en guise de corban, alors il est un peu plus machmir. Ok? Donc retenez l'idée, quoi. Depuis le moment où on a fait la Shrita, il s'avère que maintenant, on ne peut plus récupérer, il n'y a plus rien à sauver. Donc il faudra le dilapider. Comment? Jeter son sang dans le petit ruisseau et brûler la viande. Autre situation maintenant, c'est que on a fini de faire le korban. Ouais? Vous vous rappelez la mise en scène? J'ai eu un doute, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai apporté mon korban hacham. Et puis, j'ai apporté mon korban hacham et le kohanim ont fait la shrita. Ils ont reçu le sang, ils sont passés à la sperge au bat amigdash. Dans l'après-midi, le soir, ils se préparent à manger les kohanim. Ils sont en train de se faire griller les bonnes côtelettes d'agneau. Un keves, le mouton plutôt. Et haïl, c'est un bélier. Et donc, ils se préparent à le manger. Le kohanim, il est là sur le point de commencer à manger. D'un coup, mon fils, il rentre, il pousse les portes du bat amigdash. Il dit « Ah ! Arrêtez, papa, il n'a pas fauté. » Est-ce qu'ils pourront manger le korban ou pas? Et la réponse, elle est que bien évidemment que oui. Pourquoi? Parce que le korban, il est quand même venu pour expliquer quelque chose. Puisque moi, je vivais en situation de doute. J'avais un doute au moment où j'ai fait le korban. La Torah m'a dit, dans cette situation, tu apportes un korban. J'ai apporté le korban avec un vrai but. Il avait lieu d'être. C'était pas une erreur comme le cas précédent, où on n'avait pas encore fini l'expiation. Donc finalement, t'as pas fini l'expiation, t'as plus rien à faire avec lui. Tu vas pas continuer à expier quelque chose qui a rien expié. Mais là, t'as expié, t'as fait l'expiation, parce qu'il fallait l'apporter. Et bien dans ce cas-là, le Nizrak Adam, Abbasari Achel, si le sang il a été aspergé, on pourra continuer à manger le korban. Logique. Sur ça, Rabbi Yossi nous précise une autre précision. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, « Afilu Adam Bakos Izarek Abbasari Achel. » Toi, tu m'as dit que si tu as aspergé le sang, tu pourras manger le korban. Moi, je te dis, même si tu as juste reçu le sang dans un verre, tu pourras aussi manger le korban. Oui, il y avait les korbanot. Il fallait, après la shrita, il y avait Kabbalah ou la Chazrika. Il fallait réceptionner le sang dans un ustensile, l'amener sur le misbah et l'asperger. Selon Rabbi aussi, le simple fait d'avoir reçu le sang, d'avoir réceptionné le sang dans un ustensile, fait que désormais, ça y est, l'expiation, elle est quasiment là, même si elle n'est pas finie, mais ça est entamé la dernière manœuvre, la dernière ligne droite avant l'expiation. Ça y est, le korban, il est venu pour un but précis. Il pense plus précisément, quand la remède les arecs, les arouk domi. Bon, c'est le principe en tout cas, la slicha, voilà, je le cherchais. Quand la remède les arecs, les arouk domi. Tout sang qui est sur le point d'être aspergé, c'est comme s'il a déjà été aspergé. Ça y est, la capara, elle a déjà été effective, elle avait lieu d'être. Le korban, c'est plus un korban bloqué, c'est un korban qui est arrivé au bout, même s'il n'est pas concrètement arrivé au bout. D'accord, c'est une petite nuance. Mais voilà, on a tout compris, Bezat Hashem. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une pleine de Hatzlacha. On se retrouve, Bezrat Hashem, après Soukot, mais d'Israël. D'accord? C'est un petit peu un compromis qu'on fait entre les deux. Pendant tout Soukot, il n'y aura pas de cours. Un peu de vacances pour tout le monde, ça fera du bien. Boucher les trous si vous en avez encore. Moi, ça me permettra aussi de prendre un petit peu de cours d'avance. Ça ne fera pas de mal non plus. Et puis, et donc on se retrouve le lendemain de Soukot. Donc, lundi... On commence sous votre lundi. Après, le deuxième lundi, c'est lundi Simchat Torah chez les Israéliens. Pour les Français, c'est juste Shemini Atzeret. Il y aura Simchat Torah le mardi. Donc, on reprendra Bezrat Hashem le mardi. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Kol Tuv Selah.